Hello tout le monde, on se retrouve donc pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy VII. Alors, la dernière fois on s'était laissé donc avec, il me semble que c'était la prairie des chocobos, donc étape annexe en soi. Parce qu'en fait on peut très bien traverser le marais à pied, sauf qu'on peut se faire attaquer par ce magnifique serpent qui fait très mal à ce stade-là du jeu. Déjà voilà, hein. En fait, pour le vaincre, il faut être, on va dire, niveau PV, hein, à peu près, être à 1500. Donc, il y a plus ou moins le double de nos stats. Mais voilà, ça va vite arriver, donc on pourra revenir le vaincre. Si vraiment on fait les talents de l'ennemi, puisqu'il a le talent de l'ennemi bêta, qui est plutôt pas mal en début de game. Mais bon, on s'en passera, ça compte pas vraiment pour le 100%, hein, clairement, autant le dire. Et donc nous, on va se diriger vers cette mine. Alors, il me semble que c'est la mine de Mithril. Alors là, je ne suis plus du tout sûre, mais il me semble. Néanmoins, voilà, c'est ici, hein, pour accéder donc à l'autre, enfin, la ville qu'on voit dans le viseur. Hein. Donc on va devoir la traverser, ça va être le but de cet épisode. Donc il va vraiment pas être long, normalement, puisque la mine n'est pas très grande en soi. Il y a une matériel à récupérer. Et je compte la récupérer puisque je vais en avoir besoin. Et puis, ben, c'est parti. On y va. C'est Sephiroth qui a fait ça. Notre ennemi aurait pu faire ça. C'est une force que nous devrions traiter avec respect. Il faut savoir que c'est en fait un des serpents de Midgard, donc ceux qui traînent dans le marais en fait de l'autre côté. Et franchement, fallait le faire pour l'empaler de cette manière. Donc nous, on va aller là-bas. Alors ici, voilà, on ressort et on rentre dans la zone. Et voici cette mine. Je sais qu'il y a pas mal de trésors. Ce ne sont pas vraiment des objets obligatoires. Mais bon, on va faire un petit peu d'écran. Ouais. Un petit peu le plus tout le monde. Spirituel, pourquoi pas. J'hésite. On va d'abord aller du côté gauche. Thank you.
Donc voilà, petite rencontre, assez imprévue. Hein. Alors, on va récupérer les objets. Donc la mine est vraiment, vraiment courte. Un petit peu beaucoup. Hop. On reviendra ici après, parce qu'il me semble que c'est la sortie. Ici il y a rien, mis à part un combat. Magique Matra, donc ça c'est un talent de nuit, choper près de nous. Ça c'est très important. Ensuite, un éther et le dernier coffre. Maintenant, on va pouvoir quitter la mine. Ma partie comme ça, le rouge 13 va rapidement débloquer sa limite niveau 3. Tout niveau plus 1. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, je me demande si elle, si elle fait son... son éclat sur tout le monde, si elle arrive en 20. Pour hopper un petit peu dans ces lignes. Voilà. Est-ce que c'est important? Voilà. On va pouvoir aller de l'autre côté. Et voilà, donc la mine est terminée. Ensuite, alors là on a Fort Condor. On peut le faire, ça fait partie des quêtes annexes, j'ai envie de dire. Le problème étant qu'on va pas faire toutes les batailles du Fort Condor. On va seulement faire la dernière qui est la plus importante pour une Materia. Mais sinon voilà, on va laisser un petit peu se débrouiller, on va juste leur donner de l'argent. Nous combattons la Shinra depuis longtemps sur ce champ de bataille. Et nous sommes toujours installés dans une longue guerre contre eux. Si tu n'es pas pressé, accepterais de nous aider à les combattre. Je ne veux pas t'influencer, mais si tu as autre chose à faire, pourquoi ne le termines-tu pas? Nous allons t'aider. Vraiment, alors vas-y et on te donnera les détails. Ok, mais voilà, maintenant tu peux partir. Il me semble.
bien c'est où est Junon, on peut donner de l'argent. Normalement, on peut leur donner, il me semble que c'est 2000. Voyons, on va vers le nord, le long de la côte. Ok. Alors, je vais juste aller voir un petit peu. Nous allons t'aider. Donc, je vais pas m'attarder vraiment. Donc là, non, il y a vraiment pour le moment rien à faire. On peut laisser comme ça, donc c'est un endroit où on reviendra plus tard. Ce pour le moment, voilà, c'est pas dans l'ordre des choses d'aller tout de suite ici. Alors, on a dit de longer la côte. Donc, chose qu'on va faire. Et ça devrait se trouver vers là-bas. Si on suit bien le plan. On va s'arrêter là, donc c'était juste un petit épisode bien gentil pour faire la mine. La mine qui est relativement assez rapide. Et Junon se doit se trouver par là. Normalement. Donc normalement là l'épisode devrait être terminé plus longtemps, mais bon, je vais pas poster ça dans l'épisode de 10 minutes. Pour le prochain épisode, ça sera un épisode annexe pour débloquer un nouveau personnage qu'on peut déjà voir dès maintenant. Mais comme c'est un personnage un petit peu troll, je préfère donner un épisode entièrement à ce personnage. Et en fait, Junon est ici. Junon va s'arrêter là. Je vais sûrement aller un petit peu farmer. Enfin, tourner l'épisode d'après, farmer un petit peu la limite de ce personnage en question, et continuer l'aventure. On développe ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc Junon, c'est ici. Et on va devoir aller là, puisque c'est notre prochaine destination. Mais pour le moment, nous, on va s'arrêter là, donc pour cet épisode. Donc le prochain épisode sera un épisode annexe. Je verrai si je le poste. Souvent, les épisodes annexes, je mets un épisode annexe, un épisode dit principal. Pour cela, et on avance plutôt bien dans le LP de FF7. Donc à savoir que je privilégie ce LP par rapport à FF8. FF8, il y a peut-être moins d'épisodes, mais après, voilà, ça va venir. Tout simplement parce que je voudrais terminer rapidement ce LP pour être prête, en quelque sorte, pour le remake, tout simplement. C'est aussi le but. Puis voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy VII.